Tiens, Louis-Marie, salut, tu pourrais te présenter pour commencer? Ah moi c'est Louis-Marie, musicien mes heures perdues, on va dire. Qu'est-ce que je peux dire que voilà, j'ai un groupe de métal, on dirait, voilà. Où je chante moi. Alors le chant, ça n'a pas été ma première vocation, on va dire, entre guillemets. J'ai commencé par faire de la guitare d'abord, enfin de la guitare classique. Ça fait quand même pas assez de bruit, une guitare classique. Alors j'ai fait de la guitare électrique. Et puis un jour, il y a un mec qui m'a accosté comme ça dans un bar et qui m'a presque ordonné de chanter dans son groupe. C'est-à-dire, raconte. Mais en fait, il a vu ma tête, il a dit lui, il écoute des métals, donc il va venir chanter avec moi, quoi. D'accord, donc il t'avait jamais entendu chanter, il savait pas comment tu pouvais chanter. Exactement, exactement, quoi. Donc on a fait des essais dans le bar, normal, quoi. Ouais. Et puis voilà, et puis en fait, je suis rentré dans le groupe. Et après, c'était marrant parce que, en gros, 2 semaines après qu'on ait répété plus ou moins tous les deux, quoi, pour qu'ils voient ce que j'étais capable de faire, eh bien, on a fait notre premier concert. Enfin, moi, j'ai fait mon premier concert. Le premier de toute ta vie, en plus. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'était ça. Donc voilà, j'avais jamais répété avec le groupe en entier. Je les connaissais pas. Je connaissais que le guitariste. Et donc voilà, on a fait un concert dans un festival perdu au milieu des bois et bon, ma foi, c'était assez comique. D'accord, ça s'était bien passé. Mais ça s'était bien passé, ouais. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu joues avec ce groupe et... Ben là, ça fait 2 ans et demi, quoi. Mmh. 2 ans et demi, ça fait le deuxième album qu'on sort, qu'on enregistre, tout ça. Et donc voilà, ça commence à prendre un peu forme et c'est cool, on s'éclate. Ouais, vous faites pas mal de concerts juste pour continuer. Vous avez bougé pas mal en France. Ouais, voilà, on fait concerts. On en a fait alors dans la région là, sur Bordeaux, Toulouse, donc Bergerac forcément puisqu'on est de là-bas. Et après on est monté, on a eu monté, on est, on, oui, on a réussi à monter jusqu'à Orléans. Mmh. Quelques dates sur Saint-Étienne. On sait qu'on a joué encore. Enfin voilà, quoi, en gros, on essaie de bouger le plus possible et puis de se faire plaisir et puis voilà quoi. D'accord. Donc tu penses continuer ainsi? J'espère. Ouais. Moi. Bon, merci beaucoup. De rien, c'est cool. Salut, au revoir. Salut.